Le ministère de l'Intérieur a joué clairement sa partition en prévenant, d'abord en invitant les gens à se mettre à jour, mais en faisant le point. Donc je pense qu'à la dernière sortie du ministre en charge de l'Intérieur, cette partie aurait dû se concentrer sur ce qu'on leur reproche et essayer de corriger. Or, tel ne fut pas le cas. On a compris que certains sont bloqués, par exemple. Ceux qui ont, par exemple, substitué des noms des membres fondateurs, avec d'autres noms au nom des membres fondateurs, comment vous voulez qu'ils changent? Parce qu'ils ont compris que par rapport à la nouvelle, au nouveau code électoral, il leur fallait peut-être positionner des gens dans certaines circonstances qui n'étaient pas leurs membres fondateurs, qui n'étaient même pas au Congrès et qui n'ont même pas eu un projet d'adhésion à leur parti. Donc, en clair, on a inséré dans le parti des membres qui n'ont jamais été vus, qui n'ont jamais fait, c'est du faux. À un moment donné, on avait comme l'impression que les partis politiques aujourd'hui à la touche mettaient une pression sur le ministre de l'Intérieur et ses cadres. Nous avions déjà déposé nos dossiers depuis telle date et jusqu'à l'heure là, on ne nous donne pas On le n'a pas le sésame. retour. Non, c'était pour mettre la pression, c'était pour embrouiller les pistes pour que la supercherie passe. Et je crois que les cadres sont restés zen, le ministre de l'Intérieur est resté très serein, droit dans ses bottes, et il a fait son travail. Aujourd'hui, nous avons les résultats. Ce qu'il reste aujourd'hui, et ça, il faut le dire, nous allons entendre des discours, nous allons entendre des conférences de presse, ça va jaser, ça va bavarder, mais en réalité, on doit pouvoir retenir que force restera la loi. Et c'est la loi qui gouverne une démocratie.